was ill prepared. I was prepared to be ill, though the skill was there. In the beginning, it wasn't about the ends. It was about busting raps and standing for something. Fucking acronym, cut the fucking act like you're happy. I'm fucking back again with another anthem. Why stop when it doesn't have to end? It ain't over till I say it's over. Enough when I say enough. Throw me to the wolves and close the gate up. I'm afraid of what'll happen to them wolves when the thought of being thrown into an alligator pit. I salivated it. Raiders up, hands up like it's 12 noon. Nah, homie, holding bitches straight up. Wave them to your dislocator, rotator cuff. Came up rough, came to ruffle feathers. Now egos, I ain't deflating. The last chance to make this whole stadium in rust. Hey, bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis très content de vous recevoir, enfin, vous recevoir pas chez moi évidemment, parce qu'on serait, il n'y aurait pas cette place, mais de vous recevoir sur Call of Duty Ghost, donc le nouveau jeu de Activision, oui, j'allais dire, de Infinity War. Donc on se retrouve sur le menu d'accueil du multijoueur. Alors il faut savoir que le jeu est sorti aujourd'hui, on est le 5, c'est ça, ouais, et il est 20h. Alors, jeu en ligne, options. Alors, on va aller dans options. Donc là, je suis à fond, luminosité, ok. Options avancées. Alors, affichage auto. Non, on va mettre auto. Rafraîchissement, non. Rafraîchissement de chaque image. Alors ça, je crois, c'est pour que je dise pas de conneries. C'est pour l'aliasing. Je sais pas sûr. Je ne suis pas sûr. Alors, qualité de l'image. On va mettre ça en full. Alors à ce qui paraît, il y a certaines personnes, n'essayez pas de mettre en full parce qu'à ce qui paraît, il prend beaucoup. Alors. Bref, alors profondeur de champ, oui. Occlusion, ambiance basse, haute. On va mettre, vu que j'ai une bonne carte graphique, non, ça devrait aller. Détail du terrain avec. Filtrage anisotrope, c'est quoi ça? On va mettre haut, hein. Ça doit être sûrement... Je mets tout à fond, on va bien voir. Flou du mouvement, oui. Distorsion. Putain, je sais plus. Oui, non, oui. Attendez, est-ce que j'ai dû louper des trucs? Alors, ambiance, ombre. Bah oui. Voilà, ok. Anti-grêlage. Ok. Qualité des textures. Automatique manuel, donc je vais mettre au ultime ultime. Ah merde, oh voilà. Donc normalement, j'ai tout mis à fond, il me semble. Ça, je sais pas si je le mets. Franchement, je sais pas si je le mets. Je le ferai en privé et je vous dirai si ça change quelque chose. Alors, voilà les applications, oui, voilà. Donc attendez, ça redémarre. Excusez-moi, je vous coupe dans la vidéo, c'est qu'en fait j'ai eu un tout petit souci, le jeu a planté, donc j'ai dû relancer, enfin voilà. Donc j'ai préféré intervenir en direct, donc allez, on se reprend tout de suite, salut! Ça a l'air d'être bon, enfin je verrai en jouant. Alors, bienvenue dans le mode multijoueur de Call of Duty Ghost. Si vous ne connaissez pas la série, je vais contrer. Une fois que ça sortira à l'aise, jouer. Ok, bon, moi, je suis à l'aise. Hein. Je ne suis pas un double. Alors, plonger. Et à mon avis, il va falloir que je corrige un truc parce que quand je bouge ma souris, je sais pas. Bref. Alors, explorer, exploiter. Alors, activer votre compte gratuitement. Ok, d'accord. Accéder, ok, gérer, ok, donc on peut gérer votre clan, combattre des guerres à Call of Duty. D'accord, ok, bon, alors créer un nouveau compte, je comprends pas, ben non, continuer. Alors bienvenue dans Call of Duty Ghost. Pour la sortie de Call of Duty Ghost, vous bénéficiez d'une XP double. Pendant tout le week-end, donc le week-end prochain, vous aurez double XP. Donc ça, c'est cool. C'est assez cool. C'est cool, cool, cool. Alors, continuez. Donc, je suis grade 1. Donc, j'espère qu'on va pas se... Je vais pas me prendre une branlée. Donc, sympa. Je trouve que ça me fait ressembler... Enfin, le menu me fait ressembler à... Me fait jouer en tant que White. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord!
Ok, donc voici notre ok, donc là il y a le soldat, d'accord. Vous jouez en tant que White. Alors, ok, d'accord. Alors, je sais pas du tout. Mince, excusez-moi, j'ai fait un retour. Alors, créer un soldat. Alors, sélectionnez votre premier membre d'escouade et choisissez le départ. Ok, alors White, c'est... D'accord, alors après, il y en a plein d'autres. Alors, White, d'accord. Donc après, on choisit. Ok. D'accord. Alors, équipement de combat furtif. Je découvre en même temps que vous, donc si c'est pas top, hein, je vous referai de toute façon d'autres vidéos, plein de vidéos qui arriveront avec plus d'explications et tout ça, pour que vous compreniez mieux pour ceux qui ne comprennent pas. Donc là, l'assaut, donc ça, combat rapproché, c'est tout ce qui est ceux qui veulent rusher, machin. Ok, furtif, donc ça, c'est quoi, MP5? Putain, s'il y a la MP5, je suis heureux comme un pape. Je suis content. Qu'est-ce que t'as, Facebook? Ta gueule. Ouais, tais-toi, je m'en fous. C'est l'Argandriel qui a des problèmes. Bref, m'en fous. Alors, ok, bon, furtif. Voulez-vous vraiment choisir un? Ben ouais, bah allez, je me mets en furtif. Alors peut-être que, je sais pas. Selon peut-être les classes, on a droit à d'autres choses. Je sais pas. C'est con, c'est bizarre qu'on puisse pas. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, on prend la classe furtif et après dans la classe furtif, il y a des emplacements d'armes. D'accord. Donc là, il y a quoi? Il y a. Oh oui, putain, cette arme, ça faisait longtemps. Ok. Donc là, il y a mitraillette et dans la mitraillette, il y a Vector. Ok, et en fait, il y a toujours des points. D'accord, donc il y a des points pour les armes. Et on... Putain, c'est toujours, toujours ça, donc là, je peux rien prendre, donc il va falloir que je joue. Assaut, donc en assaut, il y a... D'accord, donc si on veut vraiment des grosses armes, il va falloir 10 points. D'accord, ok. D'accord. 2010. Ok, fusil à pompe. D'accord. Mitrailleuse. Ah ouais, putain, il y a de ces machins. Oh putain, non! En réseau, ça risque de faire très très mal. Ah là là. Ça va. Oh, le couteau de. C'est du malade, quoi. Bref, j'avais pris ça. Non, mais va te faire foutre. Non, mais c'est mort. C'est mort, c'est mort. Est-ce que j'ai toujours mon. Voilà. Donc, au pire, bon, j'aurai un couteau de combat, même si je m'en fous. Alors, est-ce que. Alors là, on peut choisir les. Donc, ça, bah évidemment. Ok, d'accord. Donc là, on peut choisir les textures des armes. Ok, donc, avec silencieux. Les atouts, d'accord. Alors maintenant, c'est comme ça. Alors. Vitesse. Ah, ça, c'est cool. Ça fait un peu penser à. Ok. Ça fait penser à des MMO, en fait, avec l'arbre de compétences. Donc, ça, c'est cool. C'est cool. Bah pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il va falloir vous adapter, mais vous inquiétez pas, c'est pas bien compliqué, vous allez vite comprendre. Et ensuite, assaut soutien à un spécialiste. D'accord. Waouh. Bah franchement, je suis pas encore. Ok, bon bah de toute façon, je vous ferai d'autres vidéos quand j'aurai mieux compris. Donc allez, on va se lancer en jeu. Donc opération, ça c'est. Ok, je sais pas. Caserne. Caserne, crée un clan. Compte, code, classement, ok, notification, d'accord. Bon, bah, allez, on va faire une recherche de partie. On va aller en standard. Qu'est-ce qu'il y a en standard? D'accord. Alors, on va faire une partie standard, une partie hardcore. Après, je vous laisserai et je vous expliquerai 2-3 trucs avant de vous laisser. Donc, allez, on va faire une partie standard. On va aller en infecté, d'accord, traqué, combat tactique, guerre de territoire. Et bah allez, on va aller en guerre de territoire, c'est parti. En espérant qu'il y ait du monde. Ah bah il y a du monde, comme ça, c'est parfait. Alors, ok, d'accord. Oui, donc ouais, c'est bien. Alors là, on peut très bien. On voit sur le côté ici que il nous montre un peu les armes. Ok, d'accord. Donc en fait, si je fais 10 kills. Alors ça, c'est cool. Enfin, c'est cool, plus ou moins, parce qu'il y en a qui aimaient bien le score strict, et moi, là, c'est les kill strict. Donc, la différence, c'est kill strict. Donc, attendez, ça, quand c'est kill strict, c'est frag, donc tuer des mecs, et score strict, c'est
Score strict, c'est en fait prendre des drapeaux, avec les points des drapeaux, ça vous montre, ça vous monte les scores au lieu de tuer des ennemis, quoi. Donc là, c'est vraiment, faut tuer des mecs pour avoir des points. Pour avoir ensuite des streaks, enfin des bombardes ou donc voilà. J'espère que vous avez bien compris. Donc là, ça fait 11 minutes de vidéo. Je vous posterai ça tout à l'heure. Donc ça arrivera cette nuit ou ce matin, enfin ce matin plutôt mercredi dans la journée. Je ferai en sorte que vous l'ayez au plus tôt. Donc vous inquiétez pas, il y a la partie alien qui arrive, il y a aussi la campagne, je vous prendrai 2-3 passages quand je l'aurai fini la campagne, vous inquiétez pas. Mettez-moi des commentaires pour savoir ce que vous... J'ai vu que vous vouliez du zombie, mais c'est un peu tard, mais je vous en ferai, vous inquiétez pas, si vous m'en demandez, je le ferai. Mettez-moi des commentaires pour savoir vraiment ce que vous voulez voir. Donc je vous fais déjà une vidéo découverte, là j'ai découvert en même temps que vous, donc c'est vraiment un peu le bordel, c'est un peu le bazar. Donc voilà, voilà. Alors, d'accord. Alors, hop. Donc, je suis en full HD. Oh la vache! Oh, ça me fait bizarre. Ah, j'ai pas du tout l'habitude. Ah ouais. Pou, 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 pou. Oh, et puis il est super beau. Pour moi, les amis. Oh, j'ai tué un mec! Oh, j'ai tué un mec! Le mec est tout... Ah, oh, ça, c'est trop bizarre. Oh là là. Je suis en normal et... en fait... Wow. C'est... Comment dire? Putain, l'impression de jouer est vraiment différente. Vous avez Black Ops, bah en fait, c'est strictement rien à voir. C'est un gameplay qui est beaucoup plus léger. Enfin, c'est... attendez, faut que je fasse option... commande, mouvement, action. Alors, viser, voilà. Et voilà. Donc, c'est juste quand je visais ça. Voilà, je préfère quand ça fait ça. Alors, quand en fait, tout simplement, quand vous courez. Oh, excusez-moi, je sais pas si vous aurez les fringues, mais moi j'ai des fringues. J'ai des lags. Donc, je me fais démonter. Ok, c'est. Franchement, c'est cool. Franchement, le normal là. Nickel. Et oui, à savoir, je vous ai pas dit, niveau des il y avait des problèmes de connexion, maintenant il n'y en a plus. Si je dis pas de conneries, les serveurs sont dédiés, enfin du moins c'est Activision qui prend en compte le réseau, donc ne vous plaignez plus des... À moins que vous, même chez vous, vous avez de la merde en connexion, mais maintenant... Oh la vache, putain, c'est excellent, franchement j'adore. Je suis en train de tomber amoureux du jeu, il est excellent. Le mode normal, vous allez prendre un plaisir. Moi qui détestais le normal dans Black Ops, là je pense que je vais faire que ça. Tout simplement parce que y a la map, machin, et dans le normal, ce qui me dérangeait, c'est... Je me fais démonter, je suis vraiment désolé. Ce que j'aimais pas dans le normal de Black Ops, c'est les hit markers et tout ça. Et là, franchement, il n'y a plus de problème de connexion. Enfin, moi, du moins. Enfin, si je me fais démonter, c'est à cause parce que j'enregistre en même temps. Donc, ah ouais, je suis pas. Enfin, que je m'entraîne. Donc là, franchement, c'est un plaisir. Vous allez prendre un plaisir. Alors, est-ce que je vous le conseille? Alors, oui. Vraiment, si vous pouvez pas voir. BF4, moi j'ai joué à BF4. Si vous pouvez pas voir BF4, bah alors prenez-le, sautez dessus même. Parce que alors moi là, franchement, je vais geeker là toute la nuit. C'est vraiment, c'est un truc de fou furieux. Enfin, vous voyez bien, je suis content comme si c'était mon anniversaire. Mais non, c'est pour vous dire, les impressions du jeu sont. Elles sont bien, et puis le gameplay, putain, c'est un plaisir, quoi. Le mec, c'est fluide, c'est... Enfin, c'est léger, c'est... je sais pas, faut vous l'essayer. Si vous avez moyen d'essayer, essayez-le. De toute façon, je vous ferai des vidéos, donc vous verrez par vous-même. Ah, franchement, c'est trop cool, quoi. C'est cool, cool, cool. Ah, franchement, c'est... Il y avait pas un mec là? Ah, tiens, une femme. Allez, gonzesse. Ah, je sais pas, je suis désolé, j'ai un peu de mal à viser. Donc ce qui est cool, c'est qu'en haut on voit
Le 5. Je sais pas, je. Faut que je joue pour mieux vous expliquer certains trucs là. C'est à chaud. C'est à chaud et pour l'instant je suis en train d'être comme un enfant devant son jouet. Tiens, il y a les chiens, les fameux chiens qui nous ont rabâchés dans toute la. Oh la vache! Je vais prendre un point. On sécurise B. On va perdre A. Ah, c'est excellent. Franchement, c'est puissant quoi. Franchement, je. Ah, excellent, je vois un mec. L'ennemi a pris A. Ouais, vous allez prendre un plaisir, un vrai plaisir, les mecs. Vous imaginez même pas comment vous allez kiffer parce qu'il n'y a plus ces problèmes de connexion de merde. Regardez. Regarde, là, il n'y a même pas marqué niveau des pins, enfin des barres de connexion. Là, il n'y en a plus. Comme ça, c'est supprimé. C'est putain. J'adore. Alors, à ceux qui étaient pas chauds pour le prendre à cause de la connexion, je vous rassure, moi, j'ai une connexion qui est assez stable. Et merde. Ah merde. Ah merde. Enfoiré. De toute façon, vous le voyez. Donc, alors, sur PS3 PS et Xbox 360, ne comptez pas ce que ça soit aussi joli. Hein. Là, je joue sur PC, donc normal. Mais c'est pas moche non plus. Mais bon, c'est moi aussi. C'est moins. Comment dire. C'est pas. Ça ressemblera pas de la PS4, évidemment. Franchement, j'ai payé, je l'ai payé prix fort là et je regrette pas du tout. Enfin, du moins pour l'instant, je regrette pas. Oh non, le mec. Alors, par contre, au niveau des snipers, à mon avis, on risque d'en manger parce que vu qu'il y a plus ce problème de connexion là, à mon avis, il y aura plus ces problèmes d'hit marker. Donc là, je fais du 5-11. Ouh, c'est moche. Très très moche. De toute façon, je vais faire des gameplays avec Cruz et. Et d'autres, vous allez découvrir d'autres acolytes qui vont jouer avec moi, donc vous me direz si vous les aimez bien ou pas. Bref, alors. Ah merde. Oh putain. En fait, j'ai un souci de. Avec Fraps, du coup, je suis un petit peu en retard et du coup, ben, ça pardonne pas. Mais je pense qu'il va falloir que je fasse 2-3 réglages par rapport à. Ah putain, mais c'est excellent quoi. Alors, déjà là, j'ai un drone. Alors, comment on active les dos, les trucs 4. Ok. D'accord. Liaison satellite. Voilà. Alors moi les mecs, enfin ceux qui vont me regarder, et mes collègues, je pense que je vais faire beaucoup de normal. Ça, parce que franchement là, c'est... Alors le hardcore évidemment, j'imagine même pas comment ils vont prendre quoi. Parce que déjà là, il y aura même plus d'hit marker. Ah. Ouais, non, il va falloir que je m'entraîne. Le jeu est vraiment prenable en main. Faut juste de l'entraînement. C'est juste ça, il faut de l'entraînement. Il y aura juste ça. Il y aura juste ça. Donc, ok. Est-ce que c'est bientôt fini? Voilà, il y a des petits campeurs. J'ai du mal à viser. Ah, regardez le mec, il m'a même pas vu. Alors, ouais, va falloir que. Une fois que j'aurai tout bien réglé, tout ça, vous inquiétez pas, ça devrait. Je devrais vous faire des trucs quand même assez sympas. Mais je filmerai, je pense, du mode studio, ça sera quand même plus sympa pour vous. Alors là, on vient de me tirer dessus, je sais rien où. Ok.
C'est vraiment pas top, je suis désolé, c'est pas le gameplay le plus joli au monde. Alors c'est... Alors hop, ici il y a... Ok d'accord. Et là... Là les mecs, franchement vous allez... Et vous allez adorer quoi. Enfin les fans de Call of là. Ah merde, oui. Oui. Merde. Voilà. C'est... C'est excellent, c'est excellent. Bon, par contre, ça c'est moins excellent, je me fasse défoncer. Alors, ceux qui veulent jouer avec nous sur Steam, vous me mettez en message privé au pseudo et je vous ajouterai par la suite. J'aurai la Xbox One, hein, donc vous me mettrez pareil vos pseudo Xbox. Donc voilà, bon, on a perdu, hein, sans quand même, mais bon. Sachant que c'est ma première partie et j'ai fait combien du 8 au 18, ouais, c'est minable, c'est pas grave. C'était pour vous montrer. Donc franchement, je... Putain, j'ai qui... J'adore. J'accroche à fond, j'ai hâte de tester le mode alien. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire donc on va quitter, je vais regarder juste un petit... Petit truc de seconde. D'accord. Ok. Vous savez quoi? Je vais faire une petite partie en hardcore. On va faire. Ah, donc maintenant il n'y a que deux. Alors je pense qu'avec les DLC, enfin après c'est mon avis, parce que là il n'y a que trois. Sachant que il y a encore tout ça, les mecs. Pensez à investir dans un season pass absolument, sachant que le jeu, pour l'instant, de premier avis, le jeu a l'air top. Donc après, faut voir, hein, avec les expériences à venir, enfin machin, je vous en dirai plus de ma part. Hein. Après, chacun c'est son point de vue, mais pour ma part, je pense investir dans un season pass. Va falloir que je vois, parce que je vais acheter la One et je vais pas dépenser des milliers, des cents pour rien. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'adore, je pense investir. Mais regardez, vu l'espace qu'il y a, à mon avis, en arcan, on va s'en taper des modes. Donc vous inquiétez pas. Alors, recherche et destruction, émission confirmée, MME. Bon, allez, on va en MME. Donc, je pense changer de soldat, enfin, je sais pas, je verrai bien tout à l'heure. Je vous ferai des lives avec Cruz Largan, ça arrivera dans la semaine, enfin bref. J'espère que ça vous plaît, hein. Vous me direz. Donc on est à 24 minutes de vidéo, je suis super content parce que je me demandais si ça allait être de la merde. Et avec Cruz, on se disait pourvu qu'ils nous mettent un gameplay plus léger, enfin pas plus léger, mais qu'il soit plus maniable, et c'est le cas, donc à la souris, c'est un plaisir. Enfin du moins, il va falloir que je m'entraîne, mais je sais déjà que je vais déjà bien y arriver, donc ceux qui sont des gros PGM de la vie, tu vois, celui qui bouge pas de son ordi, quoi, ben lui, ben, ça sera dingue, quoi. Donc, voilà. Bref, allez, changeons d'arme, on va passer à celle-là. Donc, attends, je suis à la souris, hein, donc si vous voyez que sa souris a pété un câble, hein, c'est normal. Je ne devrais pas vous le faire, normalement. Alors, ok. Oula. Donc on est en MME là, donc en hardcore, donc comme vous voyez c'est super réaliste. Ah oui, et le mouvement que vous venez de voir, c'est un des nouveaux trucs qui permet de tirer en même temps de ça, je sais pas pourquoi, je sens que ça campe. Oh. D'accord. Ah putain, il n'y a plus de problème de co quoi, c'est excellent. Oh, il y a une... C'est quoi ça? Alors, vous avez ordre de mission reçu, effectué. Oh, d'accord, on peut avoir des ordres de mission. Alors là, je suis au casque. Alors, lui, là, bah, il est mort. Hein, bah, si j'arrive à le tuer, évidemment, parce que... Oh, mais c'est quoi, ça? Ah, je suis à la souris. Hein. Avec frappe, ça lag, mais... vous, ça devrait pas poser de soucis.
Ouais, ça devrait pas poser de soucis, c'est moi. Ne vous inquiétez pas. Ça devrait être nickel. Donc je suis en full pour ceux qui me connaissent et j'ai pas un lag. Je suis avec une 660 donc c'est potable. Donc je fais passer BF à fond aussi en full. Je suis à l'Astro Gaming donc en 7.1 et les mecs enfin, c'est même pas la peine quoi. Les mecs on les entend à je les entends à 5 mètres, c'est là il y en a un là. Il est en haut. Par là-haut, enfin j'ai entendu courir. Enfin par là. Ah non, c'est un collègue. Et franchement, au casque, je vous le conseille à 300%, quoi. C'est oh, c'est un truc de ouf, quoi. Les mecs, on les entend. on les entend comme je sais pas quoi. Ok. Bon, c'est pas top, hein. Ça, en hardcore, ça campe. Hein. Ça campe, ça campe. Enfin, ça campe, on va dire. C'est pas beau de dire ça, on va dire il reste statique. Excusez-moi, j'ai force de parler, ma voix fourche. Hey fourche! Bref, alors elle est par là. Oh là là, la souris par contre avec frappe c'est pas l'idéal. Oh, les maps par contre elles sont vraiment plus grandes. Nouveau grade, d'accord. Alors là, vous voyez sur le côté, c'est pas moi hein, qui appuie. Ah, c'est ça. Par contre, ils prennent trop cher. Hein. Maintenant qu'il n'y a plus ces problèmes de connexion, les mecs, ils mangent. Là, il n'y a plus de problème de machin. Tu veux me prendre tout dans la gueule. Oh putain, c'est un régal. C'est un vrai régal. Ok, donc là déjà. Liaison satellite activée. Donc là j'ai mis. Ok, donc là il y a un drone. Chien de garde prêt. Oh, j'ai un chien de garde. D'accord. Donc chien de garde. C'est quoi chien de garde? Ah, c'est excellent, j'appelle mon chien et. Ah, c'est. Alors, ça, c'est juste excellent. Fait chier, je suis mort comme une merde. Voilà, je suis premier, hein. Je fais du 7-2, putain. Ça, c'est bon. Ça. Oh, putain, les mecs. Putain, j'ai jamais été aussi heureux sur un call-off, je crois. Putain, pour une fois que les mecs, ils nous écoutent pour ce que machin, les connes. Je vous assure que la connexion, ça change tout. Je suis sûr à 300% que les autres youtubeurs, ils vont être d'accord. Là, enfin, je crois hein, que c'est serveur dédié, mais putain, mais s'il n'y a pas serveur dédié. Bah, franchement, c'est un plaisir, hein, parce que je vois pas de pin ni de machin. Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà. Putain, je suis super heureux. Oh, putain. Communication satellite ennemie détectée. Donc là, on voit que ils ont un drone. Donc je vais aller le détruire. Voilà, ils ont plus de drone. Donc j'ai très très hâte, vu ce que j'ai vu en multi là, j'ai très 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 hâte de faire le mode alien. Je pense qu'on peut prendre un pied d'enfer. Hein, oui, mais bande de pervers, hein, pas ce pied là. Hein. Bah, allez, mais meurs! Oh là là, par contre avec frappe c'est juste horrible. Vous inquiétez pas. Hein. Là c'est parce que j'ai des chutes de framerate, je suis à 30 FPS alors que j'étais à 60... Avec frappe, ça bouffe beaucoup, donc ne vous inquiétez pas. Sachant que je fais tourner le jeu en full, donc ça doit y faire aussi. Alors, je suis à 8-4, d'accord. Est-ce que j'ai toujours mon chien? Bon, j'ai plus de chien, le chien est mort. D'accord. Oh putain, ça va... Ah, je pense que je vais faire que du mode... Le mode normal, ça va être bien. Parce que le problème, c'est que je faisais de l'hardcore. Parce que problème avec la différence de connexion. Ça, mais là... Ah non, mais...
Donc après, c'est à vous de juger, c'est à vous de savoir si vous voulez mettre 60 euros dans un jeu. Si vous trouvez moins cher sur Amazon, prenez-le. Ça vous fera un jeu, un très bon FPS, je vous l'assure. Si je pouvais le comparer à Ghost, Communication satellite ennemie on va détectée. dire, il est au moins une fois mieux. Au moins. Gameplay, donc il est moins dur, donc forcément, il y a beaucoup de joueurs qui vont apprécier. Connexion, enfin de ma part, sur les premiers avis, après je sais pas, je veux pas vous dire de conneries, vu que je chante des conneries toutes les 10 minutes, voilà. C'est à vous de juger, vous regardez ma vidéo, vous me direz. Là on m'a tiré dessus, mais alors, c'est quoi pour se baisser? Ils sont bien gentils, mais d'accord, va falloir que j'assigne les touches parce que... Alors je vois pas... Alors je sais pas. Ah, il était en haut! Le malin, ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, je pense... oui, non, mais je pense vraiment à l'avenir, le prendre sur la One, hein, parce que ça y est, j'ai payé ma One. Je pense le prendre sur la One, mais... Ah, ça, je sais pas si je serai plus sur la One que sur le PC, ça je peux... pas vous l'infirmer parce que le PC, ce qui est cool, c'est que j'ai pas mal de potes qui sont dessus. Ça peut être sympa. Et par contre, le seul risque que vous risquez d'avoir en hardcore, c'est que les mecs se plantent parce que maintenant que il me semble qu'il n'y ait plus trop de différence de connexion, ils vont, enfin, du moins, déjà que ça campait avant, là, les mecs, je crois que Decathlon va avoir. Vont devenir riches, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Putain, alors déjà que le jeu il est bien rythmé avec le mouvement et tout. Enfin, c'est pas vraiment quelque chose de révolutionnaire parce que il y avait un mec là. C'était pas quelque chose de révolutionnaire parce que Battlefield l'a fait déjà depuis 3 ans, mais sur Call of Duty on attendait ça quand même depuis un petit moment. Alors je suis désolé pour le mec qui est passé. Oh non, je suis dégoûté. On est à combien? D'accord. Ah là c'est en bas. Il reste 1 minute. Puis après on se laissera là-dessus. Je voulais faire un petit truc et tout, mais bon, je vais pas me prendre la tête à... Oh merde. Moi je tire parce que... C'est bon. Objectif presque atteint. Restez concentrés. Oh, tiens, on va essayer le sniper. Ça peut être sympa. Ah, le snipe aussi, c'est pareil. Voilà. Ouais. Par contre, le snipe à la souris, ceux qui maîtrisent, bravo. Hein, parce que alors, moi, je suis tout pourri. Hein, je le cache pas, je suis une grosse merde au snipe. comme ça, c'est clair. Je ne jouerai jamais au snipe. Ou à moins. Enfin, je vous ferai des épisodes. J'en ai chié. Enfin, je sais pas, je trouverai un titre pour. Communication satellite ennemie détectée. Pour faire monter les armes. Alors, ce qu'on entend, le clic-clic-clic. C'est moi qui ferai le kill de fin! Est-ce que c'est moi? 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 C'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Bon, c'est pas grave. Bon, bah voilà. Bon, bah, je suis super ravi du jeu. On va voir pour le reste. Ça arrive sur la chaîne. Partagez, likez, faites ce qu'il faut. Pouce vert pour le boulot. Faites tout ce qu'il faut, les mecs. On se retrouve très bientôt pour la suite des épisodes sur la chaîne de Luffy. Monsieur Luffy. Attention, c'est pas Luffy, c'est Monsieur Luffy. Hein, pas n'importe qui. Je plaisante, bien sûr. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Et salut.